les abonnés. Alors ben, ici c'est Titus, ben, bienvenue chez Johan, vu que le confinement est terminé, enfin une partie quoi. Donc on a tourné chez Johan. Johan, coucou. Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous allez kiffer ce tuto. C'est immersion totale dans la piscine, combinaison, enfin bon, la totale. Bon voilà, moi je vous laisse avec Titus. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir la petite notification. Et je vous dis à très bientôt. Alors dans ce deuxième tuto consacré à la pêche au leurre, puisque le premier évidemment était sur l'équipement et le matériel, on va voir directement les caractéristiques des poissons nageurs à avoir pour la Méditerranée, pour traiter toutes les couches d'eau, de la surface jusqu'au fond. Voilà. Alors vous avez de la chance, c'est notre petit bonus, on est chez Johan, il y a la piscine. Donc ce qu'on a fait, on vous a fait voir en temps réel, en action de nage, exactement en phase d'immergée, comment réagit le poisson en maniement. Alors on va commencer en premier par les poissons de surface. Pourquoi et quand mettre un poisson de surface? Tout simplement, quand vous avez des activités, par exemple que vous avez des oiseaux qui tapent sur l'eau, ça c'est un signe de présence du poisson près de la surface. Donc, on va commencer par ce poisson nageur qui fait partie de la famille des poppers. C'est un feed popper. Il fait 105 et 16 grammes. C'est un poisson qui s'enfoie très bien face au vent. Et comme vous le voyez, à sa bavette, caractéristique des poppers, voilà, il va rester en surface, sur la surface lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il va émettre un son qui attire les prédateurs. C'est un bruit de porpoise sur l'eau. Et en fonction de ça, voilà, le maniement de ce popper, c'est très simple. C'est canne basse, du côté droit ou du côté gauche, si vous êtes droitier ou gaucher. Et tout simplement donner des coups de sion en alternant les vitesses de récupération et surtout en mettant des pauses entre temps. Voilà. On va le voir directement en phase immergée tout à l'heure avec Johan directement dans la piscine. Et vous allez voir comment réagit le leurre. Voilà. Ça, c'est un leurre à mettre dès que vous avez des activités très près de la surface. Alors, c'est un leurre de surface qui marche très bien en Méditerranée, notamment sur le loup. Pour son maniement, il est assez simple. C'est une nage en walking the dog. On appelle ça la nage du chien. Et on va voir de suite avec Johan, dans la piscine, comment il se comporte. Alors, on se retrouve dans la piscine de Johan, qui est assez réduite. Et pour vous faire une démonstration du Super Spook, un leurre de surface, en maniement, en walking the dog, qui marche assez bien, c'est une nage en zigzag et ça simule un poisson blessé, ce qui est très attractif pour le loup. Alors pour le maniement de ce leurre, ce qui marche assez bien, c'est un simple ramené linéaire, attention, en variant les vitesses de récupération, des petites courtes tirées du sion légères, des pauses, en alternant évidemment des pauses, et en jouant aussi avec le courant, hein, vous laissez partir le leurre dans le courant et vous le ramenez doucement, voilà, ça marche aussi bien. Alors là on est avec un pince minot de Yuzuri 7 grammes pour 7 cm, très bon en Méditerranée, coulant à l'arrêt, vous le voyez bien. Il est très bon quand vous alternez les vitesses de récupération linéaire et aussi quand vous faites des tirées avec des ramenés lentement. Vous voyez vraiment, on dirait vraiment un poisson blessé. Ça c'est un maniement qui marche très bien sur le loup. Ensuite, on va passer à un autre gère qui marche super bien. Ce qu'on appelle l'artiste en 80. C'est un leurre qui marche très bien en Méditerranée et les gens s'en servent beaucoup pour la traîne, pour le leurre du bord. Il marche très bien. Bon, c'est un coulant. Si vous arrêtez de récupérer, il coule. Ça veut dire que, bon, au niveau des couches d'eau, vous pouvez le mettre à n'importe quelle couche d'eau où vous voulez peigner. Ce qui vous permet évidemment de traiter toutes les couches d'eau que vous voulez. C'est un leurre qui se ramène exactement comme le pince minot, pareil. Vous alternez les phases de récupération rapide et lente. Vous alternez aussi les pauses. Des petits coups de sion aussi pour le maniement s'avèrent très efficaces. Des petites courtes tirées aussi sur le côté s'avèrent aussi très efficaces. Mais c'est un leurre incontournable en Méditerranée comme le pince qui marche assez bien. Alors le must de la Méditerranée, un Jackson 80 Artist, à manier linéairement en alternant les vitesses de récupération et de pause, il s'avère très pêchant et surtout sur le loup. Alors, on va passer dans les couches d'eau inférieures. C'est un leurre de la famille des Jerkbait, de la marque Duo, un Tidmino Beachwalker. C'est un leurre que je me sers, qui marche assez bien, surtout par grosse houle. Il s'envoie très bien. Il va évoluer à 50 cm sous la surface de l'eau en récupération. Voilà, celui-là, couleur sardine, c'est une couleur prisée en Méditerranée. Hein, c'est une couleur qui marche assez bien. Pour le maniement, comme un jerk normal. Alors lui, vous pouvez le faire canne haute aussi, pareil, pour le faire évoluer près de la surface. Hein, si vous descendez la canne, automatiquement, il descend un peu. Ensuite, variez aussi les vitesses d'accélération en alternant très important les pauses
Des petits coups de sion aussi s'avèrent efficaces. Voici un Ortil Mino 90 Vidwalker, couleur sardine. Alors, je vais vous faire le problème du maniement. Quand vous maniez avec une vitesse de récupération qui n'est pas bonne, regardez, il n'a aucune nage réaliste. Alors que la différence, quand vous accélérez la vitesse de récupération, regardez, on dirait vraiment un vif. Alors maintenant, on va descendre un peu plus bas. C'est un leurre Bifreeze, un pointeur de 100 qui fait 16 grammes. Voilà, c'est un suspending, ça veut dire que lui, si vous arrêtez de récupérer, il reste en position à la même hauteur d'eau où il était. Voilà, c'est un suspending. C'est un leurre qui marche très bien aussi en Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, vous allez rester longtemps dans l'eau, parce qu'automatiquement, en arrêtant tout maniement, il s'arrête à la position initiale. Ça fait que vous allez retarder le temps de récupération, ce qui est très 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 bon, surtout pour le loup. Ensuite, ce que je peux dire de ce leurre, c'est que je m'en sers aussi dans la houle, hein, quand vous pouvez aussi mettre dans l'écume, en bordure de plage. Voilà, cette bavette va le permettre de raffuter au maximum très 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 près du bord. Souvent, les attaques arrivent très 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 près du bord. Il est constitué dedans à l'intérieur avec des billes bruiteuses, hein, pour lancer loin et justement pour attirer le poisson. Ensuite, à l'arrêt, il est aussi sur lui-même. Ça marche très très bien aussi. Vous pouvez laisser à l'arrêt, il est prenant aussi à l'arrêt. En alternant les tirées courtes et les coups de sion et les pauses, il s'avère très efficace aussi. Bifreeze 100 en suspending ou en ramener linéaire en alternant les pauses ou alors en tirer latéral et en ramenant tout simplement le mou. Vous obtenez, voilà, ce style de nage qui marche très très bien. Vous voyez? Très prenant sur le loup. Alors, un autre leurre aussi dont je me sers souvent quand la mer, elle bouge beaucoup, avec un fort vent, c'est un leurre de Daiwa, c'est un TD Salt Shad de Daiwa, avec des grosses billes bruteuses, pour qu'ils s'en sentent très très bien. Voilà, je m'en sers, c'est juste pour vous dire que je m'en sers par mer démontée, franchement, il est pas mal du tout. Juste une démonstration du leurre de Daiwa TD Salt Shad, avec une nage très chaloupée, et un leurre qui marche très 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 bien par mer démontée, qui tient bien à la vague. Alors un incontournable aussi de la Méditerranée, un Bifreeze 78, 9 grammes. Alors, il a des billes avec, elles sont très légères, une sonorité très légère. Il marche très bien sur le loup. C'est un leurre suspending, pareil, qui va rester en suspension à la fin de la récupération. C'est un leurre où vous pouvez raffuter très 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 près du bord, en faisant attention évidemment. Hein. Bordure de plage, tombant, bord de digue. Je peux dire que j'ai fait pas mal de loups avec celui-là, franchement, je vous le cache pas. C'est un très bon leurre. Voilà, il fait pas, c'est exactement le même maniement que le Bifreeze Pointer 100. Hein, c'est de la même famille, hein. À part que celui-là c'est un 100, celui-là c'est un 78. Alternez aussi beaucoup les pauses et les vitesses de récupération. Hein, aussi des coups de sion aussi qui vont lui donner une animation, franchement, qui est très efficace. Passez à un autre leurre, un Vander 80 qui marche très bien aussi en Méditerranée. C'est un lipless, vous voyez qu'il n'a pas de bavette, d'accord, il se manie comme un mormanie, c'est la même chose, hein. Alors au maniement, il est aussi de lui-même, il descend, c'est un leurre coulant, attention, mais qui est prenant même à la descente. Ensuite, vous pouvez le faire taper, le faire remonter avec juste des coups de sion, et ça va faire très efficace, pareil, hein. Ou en ramener rapide en alternant aussi les vitesses de récupération, mais un très très bon leurre aussi en Méditerranée. Un lipless, un Vander 80 qui marche très fort en Méditerranée, surtout sur les chasses. Vous le mettez directement en récupération linéaire assez rapide sur les chasses, ou alors vous le maniez directement comme sur la vidéo en mormanier. Vous le faites toucher le fond avec des coups de sion, vous le faites remonter à la surface. Et il prend aussi à la descente sur le loup. Très très bon. Alors maintenant, pour gratter beaucoup plus bas, on va passer au leurre soupe. Vous voyez qu'il est équipé d'un hameçon texan avec une tête plombée incorporée, jig, id. Donc c'est un chat GT 9 cm. En fait, le maniement, c'est très simple. On le verra tout à l'heure dans la piscine. Vous le faites descendre, il touche le fond, vous remontez votre canne, vous moulinez. Il touche le fond et à chaque fois, il doit taper le fond. Hein, on appelle ça un maniement en dents de scie. Voilà, ça, c'est très important. Et souvent, c'est à la descente que le poisson tape. Hein. Donc ça, c'est un très bon leurre aussi. On passe au leurre souple. Alors, un chat GT de 9 cm avec tête plombée jig head. Vous voyez, comme un mormanier. Alors, il est très important de faire à chaque fois toucher le plomb au fond, de sentir les toques, voyez, et d'alterner les pauses surtout au fond. Hein. C'est souvent à la retombée que là, évidemment, vous avez les tapes. Hein. Vous voyez là, la vidéo le démontre très bien. Vous voyez, regardez, on dirait carrément un petit poisson en train de nager et de rafuter tranquillement au fond. Voilà, et là, le loup est vraiment prenant sur ça.
L'incontournable en Méditerranée, le raglou, c'est un incontournable. Hein. Alors lui, vous allez voir tout à l'heure à la piscine. La cuillère passe devant pour faire des effets flash. Et le raglou passe derrière. Il y en a qui préfèrent directement pêcher avec un raglou speedé et une tête plombée. Mais le raglou, c'est un incontournable en Méditerranée. Démonstration du raglou en phase immergée, avec une cuillère pour avoir un effet visuel, marche très bien. Alors, en leur soupe aussi, un incontournable en Méditerranée, pareil, en dents de scie. Le black minnow, pareil, tête très déplombée. Alors celui-là, il marche très bien quand vous avez de la houle en bordure de plage. Vous le faites rafler, vous savez, comme un mulet qui vient chercher carrément directement en raflutant au fond le sable. Voilà, c'est un leurre qui marche très très bien aussi, pareil. Un leurre souple, black minnow 90, avec tête plombée et hameçon texan incorporé, tête articulée, très très bon pour la Méditerranée. Regardez bien sur la vidéo, carrément il raffute au fond à la manière d'un mulet ou autre, hein, et il est très très prenant sur le loup. Franchement, en bordure de plage, il est très très prenant. Bon, je voilà. Vous dis, Titus, il accélère un peu parce que là on se prend la pluie, il commence à être trempé, hein. Ça y est, ça tombe. Et la dernière option pour aller vraiment chercher très 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 bas, le jig. Voilà, ça veut dire que si par exemple on a traité en surface, vous n'avez rien en surface, vous passez au jerk, sous la peau de l'eau, hein, qui peuvent aller de 50 cm à 1 mètre de fond, d'accord, sous la peau de l'eau. Ensuite, vous passez au suspending, qui vont descendre encore un peu plus bas, où vous pouvez chercher dans les couches intermédiaires, qui vont rester à l'arrêt en récupération à la couche d'eau que vous désirez. Ensuite, n'oubliez pas le vendeur, un lit placé en bavette, qui lui peut descendre très 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 bas, même jusqu'au fond. Ça vous permet d'avoir un poisson nageur qui va descendre aussi bien en surface qu'au fond. Vous le maniez à quelle profondeur vous voulez. Ensuite, pour aller gratter directement les poissons collés au fond, vous passez au leurre souple avec tête plombée. Ensuite, pareil, si vous avez des petits vifs et pas des gros vifs, vous passez directement au raglou. C'est un très petit vif, directement avec tête plombée. Vous pouvez le faire évoluer dans les couches d'eau que vous voulez. Hein, avec évidemment un truc réfléchissant, c'est encore mieux pour les attirer. Voilà, très très près du fond, n'importe quel fond, je veux dire, que vous voulez, 15 mètres, 20 mètres, que vous voulez, 3 mètres, 4 mètres. Le black minnow qui lui carrément va toucher le fond, il va rafuter carrément au fond. Si maintenant vous voulez le faire passer entre deux eaux, vous montez votre canne, vous le maintenez en canne haute. Attention, très important, le maniement en canne haute, c'est pas canne en l'air, hein, parce que sinon vous n'avez plus de recul pour ferrer, c'est canne mi-haute. De façon à ce que si vous avez une grosse touche, vous avez encore l'action de ferrer, hein, canne mi-haute. Hein. Et le black minnow lui faisant rafuter carrément directement au fond, comme un mulet qui vient chercher directement sur le sédiment de sable. Voilà, c'est un leurre qui marche très bien. Et la couche intermédiaire, si vraiment l'eau est très très froide, que vous n'avez rien en surface, vous allez directement chercher au jig. Alors, pour revenir directement, c'est très simple. Si les activités sont en surface, vous passez au poppers. Ça marche pas, vous passez au stick. N'oubliez pas que c'est pour attiser la curiosité du poisson parce qu'ils ont des billes et ça fait énormément de bruit. Ensuite, vous passez dans les couches d'eau inférieures jerk. Vous passez dans les couches d'eau inférieures suspending. Vous passez dans les couches d'eau inférieures vander. Vous passez dans les couches d'eau inférieures leur soupe. Vous passez dans les couches d'eau inférieures jig. Quand vous avez fait toute cette panoplie, vous êtes au complet. Et vous avez traité toutes les couches d'eau, ce qui est très 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 important. Souvent les débutants ne traitent qu'en surface et pas au fond. Ou souvent en fond et pas en surface. Il faut à chaque fois traiter toutes les couches d'eau. Peigner toutes les couches d'eau, de la surface jusqu'au fond. Et normalement, vous verrez qu'à un moment donné, ça ne tapera pas en surface. Peut-être que ça tapera sur des jerks. Peut-être que ça tapera plus au fond sur des lipless. Peut-être que ça tapera carrément collé au fond sur des black minnows. Peut-être que ça tapera sur des fonds encore beaucoup plus profonds sur des jigs, mais la différence, c'est que vous aurez peigné toutes les couches d'eau. Et là, vous serez efficace. N'oubliez surtout pas aussi les leurres articulés qui peuvent s'avérer aussi efficaces. Mais je ne vous cache pas que ces leurres-là, là, je ne les aime pas du bord. Je préfère les mettre directement en kayak. Ce n'est pas un leurre qui me plaît du bord. Mais des leurres articulés en bavette en plastique, vous en avez aussi sur le marché qui sont très 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 bons, style DK Macarou. Voilà. Mais bon, vous voyez maintenant le panoplie de leurres à avoir avec vous. Chaque leurre a sa caractéristique et chaque leurre va vous faire progresser pour avoir des loups vraiment dans les couches d'eau ou même pas vous auriez pensé envoyer le moindre leurre. Voilà. Ben, maintenant, je pense que ce tuto va vous servir pour être efficace en Méditerranée.
Au niveau des coloris, on en a parlé dans le premier heure. N'oubliez pas, teinte holographique. Teinte holographique, c'est une teinture qui marche très bien holographique. Ensuite, une couleur qui marche pas mal aussi, n'oubliez pas, couleur sardine, qui marche très bien en Méditerranée. N'oubliez pas les leurres flashy, couleur flashy, notamment sur tout ce qui est sur le barracuda, dans des eaux teintées. Mais je pense que là, on a fait le tour. Joe va vous faire voir aussi dans la piscine. Évidemment, on n'a pas une grande piscine, mais bon, c'est juste pour vous faire voir le maniement du leurre en réel à la récupération linéaire. Comme ça, vous allez bien voir comment le leurre évolue dans l'eau. Souvent, les gens ils vous font des tutos comme ça directement à table sans faire de visionnage dans l'eau. Et vous n'avez pas la moindre idée de comment réagit un poisson dans l'eau. Là, vous allez voir directement en vitesse réelle, en évolution, en phase immergée. Voilà, ben, j'espère que ce tuto vous a plu. Bon, il a plu un peu, on a fait ce qu'on a pu. Dans le prochain tuto, bon, on sera directement, le confinement sera terminé, on sera directement en bordure de mer. On espère faire des loups, alors d'autres poissons, barracuda, pour vous faire voir directement en réel comme ça se passe. Voilà, ben, écoutez, avec Johan, on espère avoir été efficace. Ben écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus tard sur Fantasy Pêche. Allez, à bientôt. Au revoir les abonnés. Par contre, on ne peut pas se laisser sans l'Instant Fantasy. Au niveau de l'Instant Fantasy, c'est le petit backstage. C'est le petit délire qu'on a eu. Et je vous laisse vous casser le ventre sur tout ça. Allez, à très bientôt. Faut que je me dépêche, putain. J'ai peur qu'on tombe en rade de batterie. Les GoPros sont morts sinon. Prêt ? C'est bon. Alors, on va commencer par un poisson nageur. Ah putain ! Il émet un son caractéristique au popper, c'est un bruit de popo. Attends deux secondes, attends. Je vais y arriver, je vois. Alors, pour le maniement. Merde, putain, mais c'est pas vrai, oh. Qu'est-ce que j'ai, oh. Putain, je suis en piqué ou quoi, oh. Putain, je reprends. Les vitesses d'accélération. En alternant, très important, les pauses. Des petits coups de sion aussi s'avèrent efficaces. Hein. Mais c'est. En suspending, hein, qui descend évidemment sur les couches inférieures. C'est un bifree 78 de 9 grammes. Ah putain, le même maniement que le bifree pointer 100. Hein, c'est de la même famille. Hein. À part que celui-là c'est un 100, celui-là c'est un 78. Alterner aussi beaucoup les... Putain, les chewing-gums. Merde.